Comment vous dire ça? Maintenant, j'ai la parole libre, je vais vous le dire. L'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, est devenu député. Il présente dans une interview à l'Essor ses propositions pour les forces d'intervention. Piste numéro 1, créer un commandement unique des forces d'intervention. Et aujourd'hui, sans toucher aux unités d'intervention nationales, je parle du RAID et du GIGN parce que ce sont les deux unités nationales. Voilà. Sans toucher à ces structures-là, on peut améliorer les choses en ayant un commandement unique, placé au-dessus des deux chefs d'unité, au-dessus aussi des directeurs généraux, à côté du ministre, dans une structure un peu particulière, à côté du ministre, un peu comme le commandement des opérations spéciales pour les forces spéciales militaires. Piste numéro 2, supprimer l'unité de coordination créée en 2010. Le COFI actuel, elle a été créée à une époque où les chefs d'unité majeurs ne s'entendaient pas du tout et étaient en concurrence. Le COFI, ce sont des techniciens qui vont permettre une coordination, un échange, etc. Elle est désormais inutile puisque les chefs de ces unités-là s'entendent, mais encore une fois, il faut le pérenniser, ça. Il ne faut pas que ça dépende des hommes, uniquement des hommes. Donc, il faut le pérenniser dans un système de commandement supérieur. Le commandement supérieur, ça doit être à des gens spécialistes dans l'intervention, qui s'y connaissent en intervention. Piste numéro 3, placer à la tête du commandement unique un gendarme ou un policier. Et ce commandement-là doit être à la fois mixte et alterné. C'est mon idée, hein. Ça veut dire qu'on doit avoir à la tête de ce commandement supérieur un général 3 étoiles ou un inspecteur général de la police nationale, avec comme adjoint un général 2 étoiles ou un contrôleur général de la police nationale. Et l'adjoint, au bout d'un certain temps, 2 ans, 2 ans et demi à voir, à définir, prendra la place du chef et un autre adjoint montera et ainsi de suite. Et là, on crée une filière continue spécialisée dans l'intervention. Piste numéro 4, utiliser davantage chaque force d'intervention. Le but, c'est d'utiliser les deux unités, de l'utiliser de manière régulière, ce qui n'est pas le cas en particulier du GIGN aujourd'hui, puisqu'il a peu d'interventions. Donc de les utiliser de manière régulière et qu'elles se renforcent sur les crises majeures, qu'elles se renforcent sans aucun problème. Mais vous savez, on a toujours aussi la possibilité de prendre dans telle unité un bloc de compétences pour renforcer le bloc de compétences de l'autre unité ou pour s'inscrire dans la durée, par exemple. Le but, ce n'est pas de faire une unité unique. Le but, c'est de prendre les deux compétences, d'avoir les deux unités qui se ressemblent beaucoup, 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 contrairement à ce que certains en disent. Comme elles se sont développées parallèlement, en regardant l'une sur l'autre, en copiant l'une sur l'autre, tantôt l'une, tantôt l'autre, etc., elles ont à peu près les mêmes matériels. Elles ont les mêmes procès d'intervention. Donc on est déjà aux prémices de ce commandement, de cette unité unique. Piste numéro 5, prendre en compte le rôle accru des primo-intervenants. Ce qui va à terme obliger nos unités GIGN ou RAID à se réformer, c'est les primo-intervenants. Les primo-intervenants qu'on a dotés de matériel lourd à notre demande, à la demande du chef du RAID et du chef du GIGN. Je me souviens que c'est les primo-intervenants. On avait commencé à en parler avec Thierry Orozco à l'époque. On était en début 2014 et on a fait ce choix-là. Pourquoi on a fait ce choix-là? De les doter de matériel et de les former. Le RAID forme les primo-intervenants. Pourquoi on a fait ce choix-là? Pour répondre rapidement à une tuerie de masse. Et on s'aperçoit maintenant que les primo-intervenants règlent un maximum de situations de crise rapidement, sans que les forces d'intervention aient la possibilité d'arriver sur place, puisque la situation est réglable. Donc nous, on s'est décalé sur le territoire national, on a des antennes sur le territoire national pour répondre rapidement. Et les antennes savent faire, enfin en tout cas la colonne d'intervention des antennes, elle sait faire ce que l'unité centrale sait faire. Et au niveau du GIGN, ça commence à venir aussi. On a des antennes du GIGN, il faut que les antennes du GIGN, à mon avis, sachent faire ce que les colonnes d'assaut du GIGN central savent faire, parce qu'il faut répondre rapidement.